It is said our people lived peacefully until the men appeared from the sea, intent on making our lands their own. Be ready! Ahoy! The Renaigse. They take our people. They destroy our island. It is not peace that we want. It is that you leave us. Beast, hang out the woods. Let's show them what gods are made of! The political and religious impact of these discoveries will be unprecedented. I thought you were different because you are an unknown Manawi. No! Salut tout le monde, c'est X-Rouge et aujourd'hui on se retrouve pour le test de Gridfall sur PlayStation 4. Édité et développé par Focus Home Interactive et Spiders, sortie officielle le 10 septembre 2019 et Peggy nous le déconseille au moins de 18 ans. Pas de notes sur les sites communautaires de jeux vidéo vu que je l'ai reçu un petit peu en avance. Qu'est-ce que Gridfall ? C'est à la croisée entre un gameplay Assassin's Creed et un visuel cadre spatio-temporel plutôt The Witcher, je dirais. Je vous en parle plus en détail avec le menu avant de me lancer dans du gameplay. Vous avez donc du coup l'équipement ainsi que de ceux qui vous accompagnent, à savoir que vous aurez plusieurs compagnons de route dans le jeu. Vous avez la map, vous avez votre journal, vous avez une carte beaucoup plus vaste et le codex. Mais attardons-nous sur l'arbre des compétences. Oui, c'est un jeu style RPG, trois alignements entre le guerrier, le mage et l'expert tacticien qui est à mi-chemin entre justement le guerrier et le mage. Plutôt possesseur d'un terrain, expert en pose piège, voilà, c'est vraiment pour maîtriser le combat. Vous avez ensuite vos attributs avec un petit arbre à une seule branche, mais divisé en plusieurs catégories, force, agilité, puissance, volonté, précision, ainsi que des talents qui sont plus considérés comme des passifs. Vous voyez par exemple le charisme pour avoir des prix plus alléchants chez les marchands, mais aussi pour pouvoir parler aux gens que vous rencontrerez. Mais ça, je vous en parlerai davantage dans le gameplay. Je me trouve actuellement dans la première ville du jeu qui s'appelle Serene, et nous allons embarquer pour l'île, là où se déroulera le jeu. Nous nous retrouvons donc sur l'île de Tirfradi, là où se passe la totalité du jeu. Je me suis permis un petit peu d'avancer pour que le gameplay soit plus présent dans ces zones qui sont très très vastes. Vous avez le choix donc entre deux armes ainsi qu'une arme à distance dans la classe que j'ai choisie. Vous avez la possibilité d'attaquer ou de faire des brise-gardes. Tout un panel de combos s'offre à vous pour pouvoir tirer votre épingle du combat et affirmer votre supériorité. Le loot est toujours présent, bon, dans n'importe quel style RPG, c'est normal. Ouais, on va augmenter le corps à corps. De toute façon, je ne me sers que du corps à corps et du fusil. Ouais, non, on va partir sur le charisme. Je le voulais, ce point, depuis un petit moment. À moi, la tchatche et les réductions chez le marchand. Qu'est-ce que je dois donc faire, hein, que je vous explique un petit peu en quoi consiste le jeu. Ça se déroule dans une Europe fictive du XVIIe siècle, et nous incarnons... pardonnez-moi, son excellence, sœur de Sardé, homme ou femme, peu importe ce que vous choisissez. Le petit globe me permet d'accéder directement à cette map que vous voyez, pour aller d'un point A à un point B plus rapidement. Bien sûr, voilà, toute la map ne peut pas être faite, ce sont plus des checkpoints, entre guillemets, mais le jeu n'en demeure pas moins vaste. Vous avez donc les camps marchands dans lesquels on s'arrête à chaque fois que l'on fait un voyage. Ça vous permet de modifier votre équipe, vous avez un établi, l'armure, etc. Je l'ai passé peut-être un peu rapidement. Si j'ai la possibilité d'aller dans un autre camp, il faudra peut-être vite faire le tour. D'ailleurs, j'ai même pas vu l'autre collègue. Vu que j'en ai trois et qu'on peut s'en équiper que de deux, je n'ai pas vu mon ami le pirate. Revenons-en au lore, du coup. Je vous ai parlé d'une Europe fictive du XVIIe siècle.
Nous sommes donc sur l'île dans le but de trouver un remède à une maladie qui s'appelle la Malicor, une maladie incurable et mortelle qui frappe cette Europe en surnombre, surpeuplée, et qui se meurt petit à petit. Donc, nous sommes les premiers conquérants de cette nouvelle île qui a été récemment découverte, vu que plusieurs autochtones et des factions colonisatrices seront présentes. Vous aurez donc à discuter avec elles en fonction de vos choix et de votre réputation qui vous précède. Vous pourrez ou pas les aligner à votre faction. Donc ce sont plusieurs choix qui vous seront proposés et vous ferez du coup le bien ou le mal selon ce qu'il en résulte. Ça, ce sont les carrioles. Ça vous permet d'aller d'un point A à un point B plus rapidement. Mais bon, on va continuer à pied. On parle souvent des missions secondaires. Sont-ils importantes ou est-ce qu'elles ne font que vous rajouter de l'XP pour que le jeu vous paraisse plus simple après ? Non, pas du tout. Les missions secondaires sont même cruciales dans ce jeu, vu que c'est dans ces missions-là que vous aurez affaire justement à toutes ces factions et que les choix que vous ferez pourront vous débloquer des scènes auxquelles vous n'avez pas accès et finir le jeu dans de meilleures conditions. Bien entendu, à vous de faire preuve de tact, d'actes réfléchis et de diplomatie afin d'éviter les combats les plus inutiles, me direz-vous. Après, c'est vrai que le jeu, franchement, pour la vastitude des maps qu'il nous offre, certes, c'est le studio Spiders, ils ont un petit antécédent négatif, mais Bound by Flames, quand même, est un jeu que j'avais pu tester, dont j'ai fait même le test, et qui m'avait quand même vachement plu de par sa difficulté et son système un peu, Diablo TPS. C'était vraiment, vraiment sympa. Non, le jeu est assez beau, mine de rien. Ah, mais le voilà, mon pirate! Donc c'est là qu'on peut le changer. Vous avez les établis partout, des vendeurs. Ça vous permet donc du coup de faire ce petit checkpoint comme je vous ai dit. Donc voilà, nous sommes sur cette île de base en compagnie de notre cousin Constantin d'Orsay qui est censé devenir le nouveau gouverneur de cette île. Donc d'où le fait que je dise qu'on n'est pas vraiment les premiers conquérants de cette île vu qu'elle est déjà habitée, mais on vient un peu en tant que les nouveaux évangélisateurs de ces pseudo-temps modernes qui vont faire régner ou par la diplomatie ou par la violence leur supériorité. Du coup, je vous le dis, on en revient une fois de plus, à vous de faire les bons choix. Là, actuellement, je dois me rendre dans une ville qui est connue pour son avancée dans la médecine, d'où le fait que je dois faire les recherches sur ce fameux remède qui est la Malicor. Où est-ce que tu peux m'amener? Parce que c'est vrai que... Ah non, elle a aucun checkpoint, aucun endroit qui me mène à cette ville. On dégage. Le doublage est sympa, la musique est excellente. Rappelons que c'est... Le mec m'arrête comme ça, enfin, tu sais pas qui je suis, toi. Non mais... En fait, il m'a juste demandé si j'avais rien à déclarer et c'est tout, il me laisse passer. Non mais, bon, bonjour les gardes frontières, quoi, c'est... Enfin bref. Revenons-en donc, la musique, oui, qui a été faite par l'excellent Olivier de Rivière, qui a l'habitude d'avoir fait, de composer les musiques des jeux du développement de Spiders. Putain, qu'est-ce que c'est beau. Et qui a donc également développé des bandes-sons de jeux connus tels que Assassin's Creed Black Flag, Vampire, A Plague Tale, et comme je l'ai dit précédemment, Bound by Flames. Développé par le même studio. Bon allez, on arrive à la ville, on va limiter le spoil, on va éviter la tchatche avec le gouverneur, je reprends juste après. Nous ressortons donc grandis de cette audience qu'a pu nous donner le gouverneur de cette ville qui est en avance sur la médecine. Il est d'accord pour nous aider, pour convier ses meilleurs médecins dans nos recherches contre la Malicor. Néanmoins, je dois faire d'abord un petit travail pour lui, ce serait pas un RPG.
Je vais t'aider à te faire avancer dans la quête principale, mais d'abord tu vas faire 2-3 petites sous-quêtes pour moi. Ça marche toujours comme ça. Une carriole de marchandises a été attaquée, et donc du coup je dois enquêter. On ne va pas trop avancer dans le jeu, je vous rappelle que c'est juste un test gameplay découverte. On va faire cette mission, comme ça, ça vous permettra de voir non seulement de quoi le jeu est capable. Donc c'est à lui qu'est arrivé le pépin, seul survivant. Si vous voulez un petit conseil pour lire les dialogues assez rapidement, je lis toujours quasiment la dernière phrase de chaque ligne de dialogue. Bon, on pourrait dire que c'est ce qu'on appelle lire en diagonale, mais on comprend quand même assez bien. De toute façon, bon, je dois juste enquêter en lui posant des questions sur le pourquoi du comment de cette attaque. Vous voyez bien, circonstances, assaillants, qu'est-ce qu'il y avait comme marchandise. On va aller flinguer ces bandits et s'assurer que l'alliance entre cette ville que je viens de visiter et nos demandes se fasse dans la plus grande sérénité. C'est assez intuitif, le jeu est plutôt bien indiqué, la map, vous la voyez, c'est une sorte de boussole en scrolling. Donc je trouve que c'est parfaitement adapté à ce style de jeu. Et puis le doublage, le doublage officiel, vu qu'il n'est pas en français, il est uniquement sous-titré, l'accent est très très bien choisi, je trouve. Donc vous le voyez, on a du travail d'abord d'enquête, différents points sur lesquels aller et écouter l'observation du protagoniste de Sardé. Comme je vous ai dit, voilà, il s'appelle de Sardé mais pas de prénom, il est surnommé Sans Vert de par la marque qu'il porte au cou. Ça a l'air méchant ces bestioles. Quand ils ont une tête de mort, c'est que bon, ils sont presque létales pour vous. Ah ouais, non, ah mais oui, d'accord. Oh ma vie. Oh là 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 là, mais je perds non-stop. Oh le poison, comment ça consume. Oh c'est vite à bord le machin. Ah je me suis trop écarté, l'ennemi revient à son spawn. Je suis en normal pourtant. Ouah, la vie elle descend vite quoi. Vous pouvez contrer avec la touche rond, esquiver avec la touche croix. Et comme je vous ai dit, carré triangle, c'est ou l'attaque ou l'attaque qui peut désorienter. Bon, parfait. Récupérons tout ça. Donc je vous ai dit, oui, de Sardé, que ce soit un homme ou une femme, voilà, il n'y a pas de prénom forcément. Le jeu ne veut prendre aucun parti là-dessus. Oh, c'est chiant, ils auraient pu faire des noms binaires, quoi. Bon, récupérons tout ça. Alors. Ouais. Il va falloir contourner ces rochers. Continuons donc notre petite enquête. Par là-bas. Et lui, il est gros. Oh, mon coup de pied dans le derche, je lui ai rien fait. Oh, mais jamais aucun mob, ça n'est jamais autant battu les couilles de ce que j'ai pu faire. Il me démonte. Ouais, non. Le jeu a quand même des ennemis assez puissants dès le début du jeu. Vraiment. Je pense que si vous montez la difficulté, vous aurez un jeu qui réclamera très très gros challenge. Ce sera un très gros challenge pour vous et ça vous demandera un bon savoir-faire.
C'est le genre de jeu où vous ne pouvez pas vous empêcher de, pendant que vous continuez sur une mission, eh bien, vous voulez vous arrêter absolument partout pour vous battre. Ne serait-ce que déjà parce que ça fait monter l'XP, mais également parce que bah, c'est sympa de se friter, quoi. Ah, je le répète encore, le jeu est vachement beau, hein, mine de rien. Bon, ça saccade un peu quand on voit le cerf courir, certes. Il est pas excellent sur tous les points, mais je pense pas qu'il devrait avoir une mauvaise note. Hein. Franchement, si je devrais lui en attribuer une, de ce que je vois pour l'instant, de tout ce que j'ai pu lire niveau recherche, etc. Franchement, déjà un 15 bien mérité, ça ferait l'affaire. Donc voilà, inutile de vous dire qu'en plus des marchands, etc., vous avez du craft, alchimie, etc. Ah oh oui, belle meute là. Il y a le papa derrière, on voit l'alpha avec sa couleur de. Avec son pelage qui diffère des autres. Oh, il ramasse. Magnifique. Ok. Nous sommes sur la bonne voie. Vous pouvez escalader. Voilà, c'est marqué par une espèce de petite peinture blanche. Du coup. C'est ça qui me rappelle un petit peu Assassin's Creed. On est au camp des bandits, ça y est. Pourquoi ils ne m'attaquent pas? Peut-être qu'on va pouvoir négocier justement. Alignement bien mal. Ah non, pas du tout. Ok, ça y est, ils commencent à devenir... ils ont d'abord attendu que je monte pour venir m'attaquer. Ça, c'est jouissif. Les coups de pied qui déstabilisent, voilà. C'est ça que le monstre aurait dû faire. S'éclater par terre, là, comme il est en train de faire. Mais ça ne lui a rien fait quand je l'ai frappé, quoi. On se prend vite au jeu. Le jeu est quand même assez immersif. Et comme je vous ai dit, c'est très intuitif. On comprend très vite ce qu'il faut faire, ce qu'on doit faire, là où il faut aller. Encore ces saletés qui peuvent balancer du poison. Voilà, forcément, empoisonné. Et là, j'ai pas la vie qui descend, bizarre. En dessous de ma vie, bon, il s'agit de la barre de. La barre de magie, mais comme je n'ai pas de sort, ça ne sert à rien. Ouais, mais non, mais j'ai pas envie de faire de la magie là. Pas dans ce jeu là, alors que pourtant, je joue toujours les mages. Les pièges, ce serait intéressant pour plus tard. Pas d'autres attributs à donner. Non. Continuons donc. Ensuite, la barre jaune, c'est un coup spécial que vous pouvez faire. Et les boucliers que vous voyez, c'est le nombre de parades que vous pouvez encaisser avant de ne plus en avoir. Le repos et le temps sans combat vous permettra de recharger ces boucliers. Pour la vie, c'est différent. Potion ou repos auprès d'un camp. Bon, au moins, on n'affronte plus des bestioles, on affronte des humains, donc je pense qu'on se rapproche. On est proche du but. Après, voilà, il n'y a pas que ça. Je sais qu'après cette mission, je dois rencontrer un autre peuple qui a demandé audience. Mais ce peuple-là, de base, était en guerre avec une autre faction colonisatrice avant que l'on arrive. L'une de ces femmes m'accompagne actuellement. Il faudra donc que je m'en occupe plus tard. Hello, don't worry, I come in peace. I only wish to speak to your leader. Oi, I'm the leader of this camp. Elle parle exactement d'ailleurs comme la femme qui est à côté de moi. My name is Desardé. I'm the legate of the merchant congregation. The congregation. Et les mots que vous voyez surlignés en jaune dans certaines phrases, c'est un dialecte du coup que je ne comprends pas pour l'instant.
I've come to speak to you about your attacks against all those who take the road to Hikmet. The Lurians only got what they deserve. They have captured men. That's the price of war. Ouais, je pense qu'on aura bel et bien le choix. Hein. On va pouvoir ou les attaquer, je pense, à la fin de ce dialogue, ou demander une trêve. Those carrying the mark of the... They captured them, and we never see them again. We don't know what they are doing to them, but we are... I see. L'autre, elle siffle sa bouteille derrière moi depuis tout à l'heure. C'est incroyable la descente qu'elle a. If your merchants had fled, we would not have pursued them. Oh là là, cette descente. J'aimerais pas la monter en vélo, hein. Putain, ta gueule. And I also hope to find out. But the Nixay also use floating houses to transmit. Your attacks were useless. Listen, if what you told me is true, I fully... I'm even ready to help you clear up these disappearances. Je suis focus que sur la meuf à la bouteille. C'est horrible. Our troops are ready. And what are you talking about? Soon, the Donea Ektragau will march together. Ah, voilà. Can you guarantee that our merchants will now... I always keep to my word. J'aime pas trop la tournure du dialogue, mais bon. De toute façon, cette guerre ne me concerne pas. Ouais, voilà, j'ai rempli ma mission tant qu'ils attaquent pas. Parfait. Bon, et bien du coup, on va s'arrêter là. Je pense vous avoir à peu près tout montré pour un début. J'espère que ça vous hypera pour acheter ce jeu. Qui coûte, du coup, pas le prix fort. 49,99€. En espérant donc que cela vous aura hypé. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un prochain test gameplay découverte. Portez-vous bien et à ciao !